Un club espagnol de 3e division a refusé de finir un match samedi après une altercation entre son gardien de but et un supporter accusé de lui avoir lancé des insultes racistes, quelques heures après la condamnation par le Séville FC d'injures semblables envers un de ses joueurs et son entraîneur. Ces incidents interviennent quelques jours après un match amical, pour la tolérance entre l'Espagne et le Brésil, organisé mardi à Madrid en réponse aux injures racistes que subit l'attaquant brésilien du Real, Vinicius Junior, depuis son arrivée en 2018. Samedi, Sheik Kensar, le gardien de but sénégalais du club de 3e division Rayo Majadanda, a été expulsé à la 84e minute du match contre Sestao River après une altercation avec un supporter derrière son but, poussant son équipe à quitter le terrain et les arbitres à arrêter le match. Selon la presse espagnole, plusieurs supporters de Sestao River, près de Bilbao, ont insulté Chexar, 23 ans, après le deuxième but de leur équipe en fin de rencontre. Un peu plus tôt dans la journée, le séville FC avait déjà condamné les insultes racistes et xénophobes subies pendant son match à Retafé par l'argentin Marcos Acuna, traité de « singe » selon le rapport d'arbitrage, et par l'entraîneur Quique Sanchez-Flor qui assure avoir été traité de « gitan ». Nous avons eu trois cas ignobles de racisme en Espagne rien que ce samedi, a regretté l'attaquant brésilien du Real Madrid Vinicius Junior, sur le réseau Social X. À Saré au Rayo Majadanda, que votre courage en inspire d'autres, les racistes doivent être dénoncés et les matchs ne peuvent pas continuer avec eux dans les tribunes, a ajouté la star de la Célessao. Nous n'aurons la victoire que lorsque les racistes quitteront les stades pour aller directement en prison, une place qu'ils méritent.